Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un test sur un échantillon lié, qu'on appelle encore des échantillons appariés. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite, par exemple, comparer deux types de réponses avant et après exposition d'une même population à un stimuli marketing. Pour cela, nous allons utiliser notre fichier de points de vente que voici ici et nous nous intéressons au type de musique d'ambiance que nos clients potentiels souhaiteraient avoir dans le magasin lorsqu'ils font leurs achats. Pour cela, nous faisons donc analyse, comparer de moyenne. Test sur échantillon appareillé. Je veux savoir s'il préfère plutôt la musique rock ou une musique classique. Classique ou bien la musique rock. Je fais donc OK. Alors. SPSS me sort le tableau, les trois tableaux suivants. Dans le premier tableau, on s'aperçoit que la musique rock est majoritairement préférée par nos clients potentiels, puisque la moyenne est de 3 à 3,35 par rapport à la musique classique qui est de 2,36. Le troisième tableau ici permet de réaliser donc le test. Ici, c'est un test paramétrique et qui nous permet de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité de ces deux moyennes. On peut donc conclure que nos clients préfèrent majoritairement la musique rock à la musique classique dans les magasins lorsqu'ils font leurs courses. Et nous avons donc ici la différence de la moyenne qui est significative. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo.